Salut, on est de retour sur la piste de Émile Antoine à côté de la Tour Eiffel pour faire un petit exercice que tous les coureurs détestent. C'est le test de VMA, celui que tout le monde redoute. Donc, je m'échauffe pendant 20 minutes, après je fais un fast pendant 6 minutes. Je pense pouvoir partir avec un rythme à 3:30 et le tenir jusqu'à 6 minutes. Et ça fait à peu près 5 tours de piste. Voilà. Vous êtes avec moi? C'est parti, ciao! Allez, comme d'habitude, on y va avec un petit échauffement d'environ 15 minutes, histoire de faire chauffer les cuisses, les jambes, les mollets, le corps, tout ça. Donc, tranquillo, let's go! Allez, là encore j'enlève la veste, il va faire chaud, il y a le soleil qui tape. Allez, on fait quelques petits échauffements sur les jambes et les cuisses. Et bien sûr, on n'oublie pas les chevilles. Ok, je refais quelques pas sur la piste histoire de me chauffer et de reprendre le rythme. Je dois avoir un rythme cardiaque au niveau de 140. Et normalement ça devrait finir à 190. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et go pour 6 minutes. Let's go! Oh, c'est rapide bon sang! Oh putain! Allez, la moitié de fait! Là on veut plus! Là on veut plus d'être retenir! Oh putain! 2 minutes encore! 40 secondes! Quinze, 5, allez, je suis mort, bon attendez, je reprends juste mes esprits là. Donc j'ai fait 1600 mètres en 6 minutes. En divisant par 100, la distance, j'obtiens ma VMA de 16 km/h. Et ça équivaut à 3,43 minutes par kilomètre. Bon bah voilà, fin de la séance, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis moi maintenant j'ai gagné une bonne douche, un bon petit déjeuner. Allez, merci, salut.